Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un VMS? Un VMS, c'est un Video Management Software, donc c'est un logiciel de gestion vidéo. Aujourd'hui, pour gérer de la vidéo protection, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez un NVR, donc un enregistreur autonome, ce qu'on appelle standalone, soit vous allez utiliser un VMS. C'est sensiblement la même chose, le travail est le même. Ça récupère des flux vidéo, ça les enregistre, ça fait 2-3 scénarios ou plus. Et ça me permet aussi de récupérer l'image après sur un poste client, donc sur un PC, un Mac, un iPhone, un Android, une tablette, etc. Donc un VMS, c'est la même chose, sauf qu'en fait, au lieu de vous imposer le matériel, de vous dire, bah voilà, moi je vous vends mon NVR, boum, tu te débrouilles avec ça, on va vous vendre des licences. Donc on va vous vendre un logiciel. D'ailleurs, le logiciel est gratuit, vous allez comprendre. Le logiciel est gratuit, vous allez simplement après payer une licence par voie vidéo. Donc si votre client il a besoin d'enregistrer 10 caméras, vous achetez 10 licences. Ce logiciel, vous allez l'installer sur n'importe quel hardware, donc sur n'importe quel matériel. Bien sûr, on peut vous vendre du matériel, mais si vous souhaitez l'installer sur un PC qui traîne dans vos locaux depuis 2 ans, vous pouvez. Si vous voulez l'installer sur votre PC portable, vous pouvez. Si vous voulez Sur un l'installer, Proxmox, une voilà, machine virtuelle, ouais, ok. sur une machine virtuelle, sur un Raspberry, sur tout ce que vous voulez, vous pouvez. L'idée, c'est... Oui? Non, c'est bon? Ok. L'idée, c'est de savoir pourquoi je dois proposer un VMS. Pour quelle raison est-ce que je me prendrais la tête à arrêter de vendre un NVR? Le NVR, c'est bien, je prends ma petite boîte, je mets mes caméras, basta. Ben, les réponses, elles sont multiples. Il y en a quatre, à mes yeux. La première des réponses, c'est par rapport à la profondeur. La profondeur, c'est quoi? C'est la capacité pour un VMS de récupérer pas uniquement des caméras. On peut récupérer de l'interphonie, du contrôle d'accès, de l'alarme, de l'intelligence, de la GTB, de la GTC. Donc, au final, j'ai pas de limite du tout avec mon VMS sur les éléments que je peux récupérer, sur la profondeur de ce que je peux récupérer. C'est aussi une notion de largeur. Un NVR, c'est bien pour 4, 8, 16, 32 caméras. Au-delà, ça commence à être un peu limite. Sur un VMS, c'est, on va dire, entre 1 et 10 000 caméras, en tout cas sur NX. On va limiter à 10 000 volontairement pour simplifier la tâche. Donc si vous avez un client qui a besoin de faire, je sais pas, demain il veut faire 10 caméras, vous faites Marie Blacher. Ok. Donc vous arrivez, vous faites un Marie Blacher, 10 caméras, bam bam bam, le gars, putain, votre VMS c'est de la bombe, c'est une tuerie. Est-ce que vous êtes capable de faire tous mes Marie Blacher de France? Il y aura en tout 3 000 caméras à gérer. La réponse avec NX, c'est oui. Sans difficulté, avec la même interface, les mêmes logiciels, les mêmes fonctionnalités que ce que vous avez sur votre petite install de 10 caméras. Et qui plus est, les 10 premières licences que vous avez achetées, bah elles seront compatibles, donc vous n'aurez plus qu'à acheter 2990 licences pour gérer vos 3000. Et ça, c'est intéressant, c'est la largeur. On peut faire des sites tout petits comme des sites énormes. L'évolutivité. En gros, l'évolutivité, c'est apprendre à dire oui à un client. C'est ne plus jamais lui dire non. Vous avez un client aujourd'hui qui, avec un NVR, qui vous dit « Ah, oh, ça serait bien si je pouvais faire de la rocofaciale et de la détection de départ de feu et de la détection de sexe, savoir si une femme, un homme et quel âge il a. » Ah ben non, monsieur, je ne peux pas faire ça avec mon NVR. Avec un VMS, je reprends le Marie Blacher. Vous lui installez 10 caméras. Ok, c'est bien. Le mois d'après, il vous dit « Monsieur Dupont, est-ce que vous pourriez me récupérer les infos de mes caisses enregistreuses ?» Pas de souci. Est-ce que vous pouvez me dire combien le pourcentage d'hommes et de femmes qui viennent? Pas de souci. Est-ce que vous pouvez me dire le taux de fréquentation, le taux d'occupation de mon site? Pas de souci. Le site, il est zéro limite en termes d'évolutivité. Vous faites ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que vous le faites quand vous voulez. Donc en gros, demain, vous vendez, je sais pas, vous allez adresser un hippopotamus, vous lui vendez ça, vous lui dites, Monsieur Hippopotamus, dans un an, on se revoit, on peut faire plein de choses. Il n'y a pas de souci. Et qui plus est, vous pouvez aussi réengager vos clients. Quand vos clients, ils sont au bout de 3-4 ans, ils commencent à dire « Ah bah tiens, si j'allais voir ailleurs, bah là, vous allez pouvoir les adresser et lui dire bah, « Attendez, restez chez moi, je vais vous ajouter des fonctionnalités. Je ne vous remplace pas les caméras, c'est du 5MP. Dans 3 ans, le 5MP, ça ira très bien, ne vous inquiétez pas. » Donc dans 3 ans, vous allez faire évoluer non pas avec du matériel, mais avec du logiciel et avec des fonctionnalités. La quatrième raison pour laquelle vous devez absolument fournir un VMS, c'est pour vous différencier commercialement.
Qu'est-ce qui ressemble le plus à un NVR? C'est un autre NVR. Vous prenez un NVR Ashika, Dahua, Hanwha, UniView, vous prenez un NVR d'une autre marque, bah vous le remplacez en 5 minutes. Comment vous voulez vous différencier et comment vous voulez vous fidéliser des clients en fournissant quelque chose qui est aussi facilement remplaçable? C'est impossible. Personne ne peut se différencier en vendant le même matériel que les autres. Vos services seront légèrement différents, mais au final, ça sera les mêmes. Pourquoi? Parce que vous aurez les limites fonctionnelles de votre matériel. Je sais que on a quelqu'un sur la presse qui aujourd'hui, donc Alexis, est quelqu'un de très bon techniquement. C'est un tueur, domoticien et compagnie. S'il vend un NVR, comment il va pouvoir expliquer, comment il va pouvoir mettre en avant des fonctionnalités si le NVR n'est pas capable de les faire? Avec du VMS, je vais pouvoir les faire sans difficulté. Par contre, un VMS, il y a quand même des limites. Aujourd'hui, il y a premièrement une limite de compréhension. Il y a plein de monde sur le marché. Si vous allez voir un client, vous allez voir un Marie Blacher. Le Marie Blacher, il aura eu 10 offres, 100 offres avec du NVR. Et vous arrivez avec un VMS. Bah déjà, vous aurez du boulot pour faire comprendre au client et justifier le choix du VMS. Pourquoi moi, je vous propose une bécane qui va coûter 3 fois plus cher que la bécane concurrente? Lui expliquer en quoi le VMS il va être intéressant. Pour ça, on vous enverra les slides que je vais vous ai envoyés si vous voulez. Vous pourrez y montrer. Bah voilà. Ça, c'est le NVR. Vous êtes fermé, vous pouvez rien faire. Dans 3 ans, vous devez le changer. Ça, c'est ma solution. Je vous la fais vivre pendant 20 ans. Vous avez la même solution, les mises à jour, vous les aurez, etc. Il y a une complexité au VMS aussi. Commercial d'abord. Pourquoi je dois payer des licences? C'est pas normal, c'est bizarre. Les NVR, j'ai pas besoin. Mais aussi technologique. Comment et pourquoi est-ce que ce VMS il va pouvoir se différencier dans un avenir proche ou lointain? Et il y a aussi bien sûr une limite, c'est le prix d'entrée. Vous avez le prix des serveurs, le prix du logiciel, le prix des mises à jour, si le logiciel est soumis à mise à jour. Ce qui ne sera pas le cas de NX, on va le voir. Voilà pour l'aparté rapide. Network Optics, c'est un éditeur américain. Ils sont basés en Californie. Leur slogan, c'est la vidéo IP faite simplement. Vous prenez n'importe quel NVR européen ou enfin VMS NVR européen, américain, asiatique, vous n'en avez absolument aucun qui a mis au centre de sa solution la notion de simplicité. Ça a été le choix de Network Optics. Donc aujourd'hui, leur logiciel qui s'appelle le NX Witness, c'est un logiciel d'une simplicité absolument déconcertante. C'est juste hallucinant de voir comment on peut faire de la vidéosurveillance aussi simplement. On a un historique, donc c'est une société assez récente, créée en Californie. Aujourd'hui, c'est une petite structure. Ils ont quand même 3 centres R&D. Ils en ont un donc dans la banlieue de Los Angeles. Ils en ont un à Moscou et ils en ont un à Taïwan. Hop, j'accélère parce que tout ça n'est pas indispensable. Aujourd'hui, on a une majorité de personnes qui sont des développeurs. Quelque chose d'important, Network Optics est un éditeur de logiciels. Ils ne font qu'un logiciel de vidéoprotection. Ils ne font rien d'autre. Ce logiciel est tellement bon, le NX Witness, que vous avez des gros acteurs mondiaux qui font appel à Network Optics pour développer leur logiciel, faire ce qu'on appelle de l'OEM. Donc en gros, Network Optics, leur logiciel, pour certains fabricants mondiaux très connus, je ne le citerai pas aujourd'hui, mais on pourra en parler par téléphone s'il y a besoin, font appel à Network Optics. Network Optics prend son logiciel NX Witness, il change les couleurs, il change légèrement l'ergonomie, Ouais, repackagé, quoi. voilà, repackagé, il va enlever certaines fonctionnalités éventuellement aussi, surtout les notions d'ouverture, et il va fournir cette solution à des sociétés tierces. Par contre, ces sociétés tierces, elles sont dépendantes du développement de NX. Ça veut dire que chaque fois qu'une société tierce demande une fonctionnalité, elle est intégrée à NX Witness, et pas l'inverse. C'est-à-dire que toutes les fonctionnalités qui remontent dans NX Witness ne vont pas remonter dans les solutions packagées, OEMisées. Ok. Maintenant, vous ouvrez les oreilles, les yeux, les chakras, et vous enregistrez tout ce que vous allez voir là. C'est la slide, c'est la seule qui est importante de la presse. C'est les fondamentaux d'NX. Aujourd'hui, NX, ils ont 3 fondamentaux. Premièrement, c'est qu'ils ont un logiciel qui est instantanément utilisable. Ça veut dire que n'importe quelle personne est capable de l'installer
ce qui n'est pas du tout le cas des autres VMS, c'est un des gros freins aujourd'hui. Là, le NX, ça va très vite à installer et à paramétrer, c'est diabolique. On a une vidéo sur YouTube qui le prouve. En moins de 5 minutes, je suis capable de télécharger le logiciel sur un ordinateur, l'installer, le démarrer, créer l'utilisateur, activer les licences, rechercher les caméras, ajouter les caméras, paramétrer les caméras. Donc ces 8 étapes-là, en moins de 5 minutes, je suis capable de les faire. Donc en gros, si vous êtes un installateur, vous allez chez un client, vous avez les caméras IP qui sont alimentées sur un switch, vous démarrez un PC, en théorie, 5 minutes après, vous pouvez partir. 5 minutes après, vous avez fini de paramétrer, de faire les paramétrages de base de votre installation. Et votre client, il aura accès sur son téléphone et compagnie. Ça va très 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 vite. On est intégralement en français, donc pas de souci pour ça. Le deuxième élément, c'est l'ergonomie utilisateur. Ça, on va l'avoir à la presse derrière. Donc en ergonomie utilisateur, vous allez voir, c'est une tuerie. Le logiciel, il est fondamentalement léger. Aujourd'hui, les autres VMS, c'est un des gros freins. Aujourd'hui, par exemple, c'est très compliqué d'aller installer un VMS concurrent de NX sur un Marie Blacher. Pourquoi? Parce que leur matériel de base va devoir être très performant et va donc être très onéreux. Typiquement, je prends des gros VMS américains, Genetec ou Milestone. Vous allez devoir l'installer sur des gros serveurs peut-être de chez Dell, de chez HP Enterprise, qui vont coûter une blinde, qui vont être monstrueux, même si c'est pour gérer 10 caméras. Nous, on va pouvoir vous fournir des matériels qui vont être tout petits, miniaturisés, qui vont travailler ce qu'on appelle en Debian, qui vont être très légers, qui vont coûter peut-être 10 fois moins cher, 15 fois moins cher que le serveur qu'on aurait dû mettre pour faire tourner une autre solution. Et donc ça devient pertinent de proposer NX sur des petites installs, même à deux caméras, hein. La question qu'on a très souvent lors des presses, alors je vais y répondre de suite, très souvent on me dit, à partir de combien de caméras est judicieux de mettre NX Witness? La réponse, elle est simple, c'est une caméra. Pour moi, à partir de une caméra, c'est pertinent de mettre du NX Witness. C'est pertinent technologiquement, c'est pertinent techniquement et c'est pertinent commercialement. Et ça, c'est complètement inaccessible à tous les autres VMS. Ils sont pas capables d'aller adresser des sites avec une seule caméra. Ils ne savent pas faire. Ils sont pas taillés pour ça. Un point qui va être important, donc multiplateforme, pareil, moi je vais pouvoir l'installer donc sur du Windows Server, comme tout le monde, sur du Windows 10, sur du Linux en Ubuntu, et même sur du Debian, donc sur du Raspbian par exemple, sur d'autres releases en Debian, donc c'est des OS extrêmement légers et gratuits, et surtout très stables. La question qui revient souvent, Guillaume, c'est bien ton logiciel, mais sur quelle marque, sur quelle solution il va pouvoir fonctionner? Donc, on va pouvoir marcher là-dessus. On va pouvoir travailler sur ce logiciel-là, donc sur cette page web que vous avez ici, nxvms.com/ipvd. Et je vais pouvoir voir l'ensemble des fabricants qui sont supportés. Par exemple, je vais voir Panasonic. Voilà, j'ai 9 fois 20, donc 180 caméras Panasonic supportées. Je vais chez Axis. J'en ai 340. Ce qui va être intéressant, c'est que si je prends une marque, je ne connais pas bien leur marque. Ça, je vais me caler ici. Je ne connais pas trop leur caméra. Donc là, j'ai une caméra d'AWA. Ok, très bien. Je suis capable de voir qu'est-ce qui est supporté. Et là, NX va très loin. Donc on va travailler ce qu'on appelle avec du ONVIF. Ok, donc on récupère des infos. Là où ça va être intéressant, c'est que NX donc, va pouvoir travailler avec toutes les marques de caméras, qu'elles soient américaines ou chinoises, il n'y a pas de blocage là-dessus, ou européenne. On va pouvoir voir quels sont les firmware qui sont testés, qui sont utilisés. Donc 82% des caméras de ce modèle-là utilisent ce firmware-là, qui marche très bien. Et ce qui va être une tuerie absolue, c'est ça. Ça, c'est super important. Ça, là, voilà, hop, vous pouvez l'enregistrer. Mince, c'est pas ça. Voilà. La notion d'analytique. Ça, vous l'encadrez, vous l'enregistrez dans votre tête. C'est quoi? C'est la capacité, en fait, pour mon système. Hop, si j'arrive à l'ouvrir.
Super. Je vais vous montrer. Voilà. En gros, aujourd'hui, vous pouvez intégrer des caméras. C'est un peu partout. Même je prends un NVR, UniView, je peux très bien mettre une caméra Shika ou DAWA dessus. Ça marche très bien. Ça marche néanmoins en non-vif. Ça veut dire que c'est limité. Flux vidéo, contrôle PTZ, détection de mouvement de base. Un peu d'audio, mais c'est pas toujours stable. Par contre, si votre caméra DAWA elle avait de l'intelligence, bah que dalle, vous perdez votre intelligence. Là où NX ont été bons, c'est qu'ils ont fait un choix quand ils se sont créés en 2010. Ils ont dit, nous NX, on ne va pas développer d'analyse d'image. Voilà, on fait un choix. On a les compétences, hein, vous inquiétez pas, les mecs, quand vous allez voir le logiciel qu'ils font, vous allez dire, t'inquiète, l'analytique, ils sauraient faire. Mais ils se sont dit, ben, nous, ce qu'on va faire, on va plutôt faire un logiciel qui est propre, qui est stable, qui est léger, qui est économiquement tout à fait viable, qui est différenciant. Et en termes d'analytique, ben, on va aller prendre tous les plus gros fabricants du marché. On va aller taper à leur porte. Salut, c'est nous. On s'appelle NX. On ne fait pas d'analytique. Par contre, on aimerait bien remontrer votre analytique. Donc, ils sont allés voir Axis. Ils sont allés voir Bosch. Ils sont allés voir DAWA. Ils sont allés voir Anhwa. Ils sont allés voir Ashika. Ils sont allés voir Provision. Ils sont allés voir Vivotech. Ils sont allés voir UniView. Ils sont allés voir tous ces fabricants-là. Et ils leur ont dit, comment est-ce qu'on peut remonter vos analyses? Et les fabricants leur ont dit, bah voilà, ça c'est nos API. Débrouillez-vous et vous faites le développement autour. Et donc en gros, ça veut dire quoi? Les 8 marques de caméras que j'ai citées, si vous les branchez sur du NX, si votre caméra a de l'intelligence, vous récupérez cette intelligence dans NX. Et ça, c'est d'une puissance phénoménale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous reprenez une install, je sais pas, vous reprenez une install Marie Blacher, il y avait des caméras Ashika, vous installez NX, et il s'avère que les caméras Ashika qu'il y avait étaient capables de faire de la détection de visage, par exemple. Bah, vous pourrez remonter les visages automatiquement dans NX et faire de la recherche par visage. Vous pourrez dire NX, montre-moi tous les visages que tu as vus sur cette caméra le 28 octobre entre 10h et 13h. Et vous verrez tous les visages, clac, 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 incrémentés. Et si vous aimez pas travailler avec Ashika parce que, pour X raison, vous voulez rajouter une caméra UniView, bah, vous mettez une caméra UniView qui fait de la détection d'intrusion, j'en sais rien, et votre client, il pourra monter à la fois les visages de Ashika et les détections d'intrusion de Niview, et la lecture de plaques de DAWA, et le machin de Axis, et le truc et le bidule. Et donc, votre install, ben elle est sacrément sympa au final, parce que vous avez tous les avantages sans les inconvénients. Vous n'êtes plus obligé de travailler sur une solution propriétaire où je mets un enregistreur Ashika Vision avec des caméras Ashika Vision. Là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, nos limites. Et donc voilà, vous prenez toutes les marques qui sont là, donc Ashika, voilà, tout ce qui est listé ici, vous pouvez le récupérer sur votre NX. Et on va le voir derrière. Alors ça, c'était la partie parfaite pour hop, mon troisième point. C'est l'ouverture aux devs. Si ça ne vous suffit pas, si vous dites, bah non, moi, les analytiques présentes dans les caméras, c'est pas assez stable, j'en sais rien, etc. Ben, NX. Ils ont fait un système de marketplace qui s'appelle Works with NX. Et en fait, ils ont intégré des systèmes tiers. Donc vous avez une flopée de systèmes tiers. Donc là, c'est l'inverse. Par exemple, j'ai, je sais pas moi, hop, allez, Suprema. On va parler d'eux. Suprema, c'est une solution de contrôle d'accès qui vient de Corée du Sud, qui commence à bien se déployer en France. Suprema, ils ont dit, franchement, NX, c'est de la bombe. Je vais développer un plugin avec NX. C'est Suprema qui a dépensé de l'argent, qui a dépensé du temps. Donc ça veut dire que si vous installez du contrôle d'accès de chez Suprema et un VMS NX, ils vont pouvoir dialoguer entre eux. Chaque fois que quelqu'un va ouvrir une porte sur le Suprema, vous aurez l'info dans NX. Depuis NX, vous pourrez ouvrir une porte aussi dans l'autre sens. Et vous allez pouvoir un badge erroné, un badge en dehors des ouvertures, une porte qui reste ouverte. Ben ça, le contrôle d'accès va pousser l'info vers mon VMS. Et donc là, vous avez ben, tout ce qui est contrôle d'accès intrusion. Tout ce qui est analytique, c'est ce qu'il y a le plus hein, en général. Vous pouvez faire de la rocofaciale, la détection de fumée, de la détection de départ de feu, de la détection de chute de personnes, de franchissement de ligne, de j'en sais rien, de plein de choses. Ben, vous allez pouvoir le récupérer.
Ça va peut-être parler à Alexis sur tout ce qui est domotique. Le C2P, le Convergence to Pixel, c'est un protocole de communication. Le Zapier, c'est monstrueusement puissant. On va pouvoir dialoguer avec Gmail, avec Instagram, avec Slack, avec tout ce que vous voulez, Pinterest, etc. Avec Tinder même. Vous pouvez avoir, je sais pas, vous voulez raccorder NX sur Tinder. Quand vous avez un match sur Tinder, ça remonte une info dans NX, j'en sais rien. Ouais, tout ce qui est push, ouais. On peut le remonter, voilà, tout ce qui est HTML5, tout ce qui est hébergé en SaaS, etc. Zapier pourra le faire. Ça, c'est tous les fabricants qui remontent des analytiques un peu poussées. Tous les fabricants de serveurs qui vont avoir des choses un peu poussées qu'on va pouvoir remonter. Donc, par exemple, les infos de smart, d'intelligence des disques, etc. Je peux les remonter. Les boîtiers I/O, donc ça, c'est les boîtiers d'alarme. Vous avez un boîtier d'alarme qui récupère la GTB ou la GTC. De chez Advantech, de Allnet ou d'Axis, on le récupère. Et pareil en point of sale, en C2P ou en NCR, ça c'est tout ce qui est POS, donc gestion des caisses enregistreuses. Donc si votre caméra, si votre système est compatible avec le C2P, on pourra récupérer, si votre caisse est compatible C2P, on récupérera les infos de la caisse enregistreuse sur NX. C'est juste monstrueux, pardon. Voilà. Et ça, c'est sacrément intéressant. Ça vous permet d'avoir quoi? D'avoir ce qu'on va appeler des solutions adressables en marché verticaux. Premier niveau d'analyse, les caméras. Deuxième niveau, le marketplace. Troisième niveau, et pas des moindres, j'essaie de me loguer. Ok. Si, c'est bon. Troisième niveau, et pas des moindres. J'ai dans Download. Hop. NX est aujourd'hui un des rares, peut-être le seul VMS que je connaisse, qui va donner accès gratuitement et sans NDA, donc sans accord de confidentialité, il va donner accès à n'importe qui à ces SDK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les analytiques présentes dans les caméras ne vous suffisent pas, si les passerelles qui ont déjà été développées pour vous gratuitement, auxquelles vous avez accès gratuitement, ne vous conviennent pas, vous pouvez développer vos propres éléments autour de NX. Donc si vous êtes un domoticien et que vous avez un protocole domotique sur lequel vous êtes habitué à travailler et qu'il n'est pas présent sur NX, vous pouvez venir le développer vous-même sans difficulté. Vous avez accès directement ici au SDK, vous cliquez et vous récupérez les informations. Donc sur de la domotique, on se restera plutôt sur les métadonnées qu'on va dialoguer. Le storage, c'est si demain vous voulez gérer, donc NX est taillé pour ça. Si vous voulez installer du NX chez OVH, chez Amazon Web Service et ne pas mettre de serveur chez votre client, c'est tout à fait faisable. Il y a des tutos sur Internet pour ça. Donc, mais si demain vous voulez faire du stockage sur des serveurs spécifiques avec des protocoles spécifiques, vous pouvez le développer. Donc vous avez la main pour faire ce que vous voulez quand vous voulez. L'idée c'est quoi? Je reprends mon Marie Blacher. Marie Blacher vous dit c'est fantastique ce que vous me proposez, mais j'hésite à basculer. Je ne sais pas si je vais le faire. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes un homme ou une femme intelligent ou un homme avec un grand H? Ben, vous dites à Marie Blacher, ce que je vous propose, c'est de développer quelque chose pour vous. Je vous développe, je sais pas, un détecteur de four, un détecteur de pain trop cuit, j'en sais rien. Un détecteur d'achalandage. Est-ce que vos tropéziennes et vos tartes à la fraise, elles sont bien achalandées, est-ce qu'elles sont bien installées? Moi, je vous développe ça pour vous. Mais en échange, vous m'attribuez le marché. On définit un cahier des charges ensemble. Je fais un développement. Peut-être qu'il y a déjà des solutions d'ailleurs qui existent, hein, qu'il faudra juste créer la passerelle. Ou les caisses enregistreuses. Je suppose que Marie Blacher, ils ont des caisses spécifiques. Ça, Marie Blacher, moi, grâce au Metadata SDK, je crée une passerelle avec vos caisses et je suis capable de vous remonter toutes les annulations de tickets vers le siège à Paris. Dès qu'il y a une annulation caisse, au niveau du siège à Paris, on vous met en plein écran sur un écran dédié, sur tous vos Marie Blacher de France. Bah là, d'un coup, Marie Blacher, il va beaucoup moins hésiter. Parce que le petit gars en face qui va lui proposer des petits NVR DAWA à 80 balles pièce, oui, il sera pas cher. Mais il n'aura rien compris à la manière de fidéliser et de rassurer un acteur tel que Marie Blacher. Et ça, NX vous le permet. Et aujourd'hui,
Enfin, moi, j'ai pas trouvé de logiciel qui soit capable de vous offrir les mêmes perspectives d'évolution sur le marché français, sur le marché mondial d'ailleurs, en 2021. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à la présentation? Pour l'instant, c'est limpide. Bon, c'est parfait. Donc, si c'est limpide, on continue. Je voulais juste montrer un truc. C'est ça, 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 ça. Ça, ça. C'est où? C'est où? C'est là. Ok. Qu'on soit au clair sur une infra, une infrastructure, une architecture pour un VMS. Un VMS, c'est très simple. Enfin, en tout cas, chez NX, vous allez avoir quatre strates. La première strate, c'est la strate qu'on va appeler les appareils. Je ne parle pas de caméra volontairement, vous avez vu, parce que bien sûr, ça peut être des caméras, ça peut être du contrôle d'accès, ça peut être de l'interphonie, ça peut être de l'intelligence, ça peut être de la lecture de plaque, ça peut être un système d'alarme, ça peut être un module I/O, ça peut être plein de choses. Ces modules, ensuite, ils sont raccordés à un switch. Soit ils sont PoE, soit ils ne le sont pas, mais bien sûr que NX, pour communiquer avec ses périphériques, il faudra que ce soit des périphériques IP. Ça paraît logique. Ensuite, j'ai un ou plusieurs serveurs. Ça va être une grosse différence par rapport à NVR aussi. Dans mon serveur, j'ai du stockage. Je prends un serveur avec deux disques. On en vend un, je vous montrerai une fiche technique, hein. On vend un serveur avec deux disques durs dedans. On stocke localement. Ça s'apparente grandement à NVR. Je stocke localement. Là où je vais pouvoir me différencier d'un NVR, c'est que je peux cumuler des serveurs. Je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 100 serveurs sur un écosystème. Et ces serveurs, pour l'opérateur, ça sera complètement opaque. Ça veut dire que qu'il y ait 1 ou 10 serveurs, pour l'opérateur, à l'utilisation, ça ne changera rien. Il n'y aura pas besoin d'aller appeler, machin, des trucs compliqués, etc. Donc ça, c'est un gros point de différenciation. Déjà, les appareils, premier point de différenciation. Deuxièmement, le fait de travailler sur du multiserveur, deuxième point de différenciation. Troisièmement, le fait de pouvoir stocker sur du stockage local, mais pas exclusivement, je vais pouvoir stocker aussi sur du réseau, ce qu'on va appeler du NAS, QNAP, Synology, ou du serveur Windows en Samba ou de l'Ubuntu. Je vais pouvoir avoir des serveurs de stockage, c'est-à-dire que mes serveurs d'enregistrement ne sont pas forcément mes serveurs de stockage. Ça va être intéressant sur des grosses infras. Je reprends le Marie Blachère, c'est parti. Vous m'installez ça sur le Marie Blachère de Marseille. Et ça sur le Marie Blachère de Lyon. Et votre client, il dit, c'est bien, mais est-ce que vous avez la possibilité, la caméra caisse et la caméra de l'entrée, de me les enregistrer au niveau du siège à Paris en doublon? Parce qu'elles sont primordiales pour moi. Ce qui se passe sur la caisse et sur mon entrée, c'est vital. Ben, sur NX, vous dites, pas de souci. Combien ça me coûtera en termes de licence? Rien du tout. C'est gratuit. C'est intégré de base. De quoi j'ai besoin? Bah, de venir poser un QNAP, un Synology au niveau du siège, de les déclarer au niveau de mon serveur. Dans mon serveur, je vais dire telle caméra, tu me crées un backup vers tel serveur de stockage. Et basta. Pas besoin de licence spécifique, pas besoin de config complexe, il faudra juste connaître l'adresse IP, l'utilisateur et le mot de passe de ma partition sur mon Synology. C'est tout. Et poum, je pousse mes données. Je les stocke localement sur mon Marie Blachère de Marseille et de Lyon, mais je les stocke aussi sur les caméras vitales au niveau du siège. Ensuite, on va le voir, les serveurs, et c'est là où ça devient carrément surpuissant, mes serveurs vont fonctionner ce qu'on appelle en Hive. Le Hive s'appelle la ruche chez NX. Ça veut dire que tous les serveurs vont être maîtres et esclaves à la fois. Ce qui signifie que si vous avez un gros Marie Blachère ou un Marie Blachère secure, ou même avec du VPN, vous pouvez. Si j'ai un défaut sur mon serveur, je sais pas pour quelle raison, j'ai plus de jus sur mon serveur, ou j'ai un problème matériel ou logiciel, je sais rien. Ben, automatiquement, toutes les caméras qui étaient originellement, à l'origine qui étaient adressées sur ce serveur-là, les caméras vont être reroutées vers un autre serveur qui est ici. Et ça, en moins d'une minute. Donc en gros, si j'ai deux serveurs sur une install, je débranche un serveur. Moins d'une minute après, j'ai toutes les caméras qui ont basculé sur l'autre serveur.
Si je remets le courant sur mon serveur, dès qu'il a démarré, automatiquement les caméras reviennent. Et ça, vraiment, en quelques clics. Ça va vraiment très 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 vite. Donc c'est une des forces du système. C'est un des éléments qu'on va pouvoir voir. Je vais juste vous montrer par exemple ici, on va mieux le comprendre. Voilà. Le failover, c'est ça. Imaginons, j'ai trois serveurs. Vous voyez, un serveur bleu, un serveur violet. Je stocke localement sur du NAS, je m'en fous un petit peu. Et le serveur vert, il tombe en carafe. Flou, plus de serveur vert. Bah, automatiquement, mes caméras bleues, mes caméras initialement vertes, elles vont aller vers mon serveur bleu. Et mes caméras initialement vertes, ici, elles vont aller vers mon serveur violet. Elles vont être dispatchées automatiquement, en moins d'une minute, vers les autres serveurs qui sont en vie sur mon système. Voilà ce qu'on est capable de faire. Allez. Passer à la presse, on a passé 36 minutes. Allez, on va essayer de passer 36 minutes, peut-être 40 sur la presse, sur le logiciel. Hop. Ah, j'ai pas terminé tout à l'heure, mais c'est pas très grave. Ce que j'ai pas terminé, c'est qu'ensuite vous avez la strate client. Donc la strate client, c'est le logiciel que j'installe sur mon PC, sur mon Mac, sur mon Linux, sur mon iOS ou sur mon Android. Et la dernière strate que j'ai, c'est la couche cloud qui va me permettre éventuellement de me connecter à distance. C'est pas du stockage cloud pour l'instant, ça va venir. Donc le cloud est gratuit chez NX, c'est juste de la mise en relation, ça me permet de me connecter à mon système. À quoi ressemble mon interface? J'ai à gauche mon arborescence, mes serveurs. Donc j'ai trois serveurs sur mon install, mes mises en page, mes pages web, mes utilisateurs et différents éléments. Sur la partie du milieu, j'ai la gestion de mes caméras. Sur la partie basse, j'ai ma relecture. Chut, je peux zoomer avec ma molette. Voilà. Ça, c'est comment je lance une relecture sur mon système. Sur la partie droite, j'ai mes notifications, mes détections de mouvement intelligentes et tout ce qui est intelligence. C'est tout. Maintenant à l'utilisation. Hop, on va partir là-dessus. Imaginons que je veux appeler, hop, appeler quelques caméras. Hop, hop. Voilà, j'appelle des caméras. Parce que j'ai beau. Thermique, ça peut être joli. On va mettre la caméra coursive. On va mettre un dôme PTZ. Et on va mettre une fisheye. Voilà. Donc, vous voyez, j'appelle mes caméras. Maintenant que j'ai appelé mes caméras, donc on va pouvoir cacher. Cette vue que je viens de faire, je peux la sauvegarder. Donc, je vais l'appeler 1, 2, 3, 9, 11. Vue par 11. Enregistré. Et là, je viens de sauvegarder la vue, elle s'appelle vue par 11. Et maintenant, vue par 11, c'est pour ça que je vous disais, je fais ici, j'ai un endroit qui va s'appeler vue par 11, je le prends et je rappelle mes mises en page. Qu'importe qu'elles viennent de trois serveurs à la fois, c'est ce que je vous expliquais. Là, aujourd'hui, mes serveurs, ils sont tous les trois au même endroit, mais je pourrais très bien en avoir un à Bordeaux, un à Dinan et un dans la Creuse. Ça reviendrait exactement au même, ça serait exploité de la même manière. Maintenant, en utilisation. Si je veux mettre une caméra en grand, je clique une fois. Si je veux mettre une caméra en très grand, je clique deux fois. Ou plus simple, vous me dites, moi j'aimerais bien voir la plaque du 3008 blanc qui est là. Alors, vous allez voir, ça c'est une tuerie. Je mets ma souris au niveau de la plaque, je prends ma molette, elle est là, et je zoome. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et je dézoome. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux me déplacer dans mes fenêtres, comme ça, sans problème. Hop. Je peux aller où je veux. Je peux aller voir ce qui se passe sur telle ou telle caméra. Je peux aller zoomer sur une plaque ici si je veux. Ou dézoomer pour revenir sur ma vue globale. Dans les éléments sacrément séduisants sur NX, hop, c'est la capacité de déplacer tout et de donner les dimensions que je veux à mes fenêtres. Donc je peux l'orienter où je veux, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Hop, si je veux un truc un peu différent. Voilà. Je peux aussi faire disparaître les bordures si je veux ou les laisser apparaître. Je fais ce que je veux. Dans les éléments assez marrants, ça va parler peut-être aux domoticiens qui sont avec nous aujourd'hui, c'est que je peux aussi intégrer des pages web dans mon logiciel. Alors par exemple, je vais me mettre sur YouTube. Hop. Cette page web, bien sûr, je peux lui donner la dimension que je veux. Je peux l'agrandir. Et là, je suis sur YouTube. Je peux balancer la vidéo. Hop, je vais voir.
je vais voir cette vidéo, j'appuie et boum, ça me balance la vidéo, bon, avec les pubs qui vont avec. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un logiciel de domotique, de contrôle d'accès, de GTB, de GTC qui est en HTML5, je peux directement intégrer sa page web dans ma mosaïque vidéo et venir le contrôler. Donc si ici vous avez votre logiciel domotique avec une cartographie, vous appuyez sur un bouton, ça allume la lumière, bah, je peux l'intégrer ici et me retrouver à contrôler mon système domotique directement dans mon système. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Vous voyez, là, j'ai bien une vidéo YouTube qui tourne, tout va bien. Ok, dans les trucs qui sont à voir absolument, j'ai ça. C'est ce qu'on appelle les vues zoomées. Et ça, quand on y a goûté, c'est chaud de s'en passer. Il manque juste aussi un dôme. Voilà, par exemple, je peux en créer plusieurs. Hein, si je veux créer. Hop, je vais voir ce qui se passe là-dessus. Hop, plutôt les mettre là. Voilà, comme ça. Vous voyez, là, j'ai la vue verte, et qui plus est, cette vue verte, je peux la déplacer. Et je peux aussi la zoomer avec ma molette. Comme ça, je peux suivre la voiture comme ça, directement. Donc, je garde ma vue en Oui. mosaïque. Bien sûr que si vous êtes un intégriste, vous pouvez faire un truc sympa comme ça, que j'aime beaucoup faire, moi. Je trouve que c'est super sympa. C'est ça, ça. Ça, c'est plutôt sympa à faire comme type de vue. Comme ça, vous voyez, vous avez une vue zoomée, ici. Et là, vous pouvez voir ce qui se passe sans avoir besoin de mettre votre caméra en grand. Ce qui va être une absolue tuerie, c'est ça. C'est que cette fenêtre zoomée que vous adorez tant, je peux venir la déplacer d'une caméra à une autre. Donc si je veux voir ce qui se passe ici, je peux aller le voir. Ce que vous voyez peut-être pas depuis tout à l'heure, c'est que NX, il gère automatiquement les doubles flux. Ça veut dire quoi? Chaque fois, par exemple, ici. Non, perdu. Je suppose qu'il me les a tous mis, bien sûr il va me faire mentir, c'est pas grave. En fonction des perfs de mon PC, il va m'appeler le flux secondaire ou le flux principal. Ce qui fait que mon image elle est toujours nette. À aucun moment vous l'avez vu flou. Et pourtant, mon NX, je suis capable de lui en payer un paquet de caméras. Je vais pas vous montrer, mais. Si je vais en rajouter quelques-unes de plus. Hein. Voilà. Ou même encore un peu plus. Bon, il y en aura en doublon, mais c'est pas grave. Si je veux mettre vraiment. Ah, je suis à fond. Là, je lui ai mis 64 caméras à l'écran. Alors, elle est où ma fenêtre zoomée? Je l'ai perdue entre-temps. Voilà, elle est là. Hop. Nice. Désolé, je me cours de bouton à chaque fois. Je vais pouvoir déplacer ma vue sans difficulté. Ça va marcher de la même manière. Après, pareil, je quitte, je reviens, je rappelle ma vue par 11 et je peux la retrouver. Donc, cette vue zoomée, c'est super sympa parce qu'on fait ce qu'on veut, on le déplace où on veut, de caméra en caméra, et on peut aller voir du détail sans avoir besoin de mettre la caméra en plein écran. Et automatiquement, à chaque fois, il m'appelle le flux principal qui va bien. Ce qui est assez bluffant aussi, c'est que ça, il me le fait sur les fichiers, en m'aplatissant l'image au passage. Donc si votre client, hop, tout qui est rigolo, hein, si par exemple vous voulez ouvrir ces quatre fenêtres, clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, et vous avez vos quatre caméras qui sont ouvertes. Donc il fait le dévrap. Il fait le dévrap de n'importe quelle caméra du marché. Et il fait le dévrap comme ça, ce que j'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est super intéressant et super joli. Parce qu'en plus, on peut le déplacer. Hein. Je peux l'emmener où je veux. Et il me fait aussi, sinon, un dévrap à l'ancienne, hein, comme ça. Peux le mettre en plus grand pour que ça soit plus joli. Fait aussi un dévrap comme ça. Voilà, avec un dévrap à 360. Avec la possibilité de le déplacer et de dézoomer. Donc ça, c'est ma fisheye. On voit bien, j'ai la plante où je suis bien sur une vue à 360. J'ai la plante à droite et la plante à gauche. Et je continue à garder mes. Mince, j'ai trompé le bouton. Et je peux continuer à garder mes vues zoomées. Donc mes vues zoomées que j'ai fait tout à l'heure dans la fisheye, je peux continuer à les avoir aussi. En plus de mon dévrap comme j'ai ici. Et ça, c'est super beau. En gros, voilà, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux quand je veux, où je veux. Ça, c'est sur le direct. Maintenant, si je veux balancer une relecture, c'est super simple. Bah, ici, je peux choisir mon mois. Donc, par exemple, je vais voir au mois d'octobre, le 13 octobre à 16 h. Et j'appuie et j'ai la lecture le 16 octobre à 16 h. Et c'est ultra réactif et je relis toutes mes caméras à la fois, sans aucune difficulté. Parce qu'il s'est passé la nuit, je clique, voilà. Ça va super vite. Vous me dites, bah non, en fait, mince.
Ce qui m'intéresse, c'était plutôt aujourd'hui. Bah, je clique là. Aujourd'hui à 9h. Voilà, ici je suis aujourd'hui à 9h. Je suis capable de retrouver tous les éléments, toutes les personnes qui sont arrivées sans difficulté. Et vous avez un système qui est super agréable. Par exemple, je vais me mettre sur celle-là de caméra. Regardez. Hop, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Sur cette caméra, typiquement le 3. Je vois que là, il y a un véhicule. Je vais en direct. En fait, j'ai un système d'aperçu. Donc, je suis capable en temps réel de voir que cette nuit, il y avait deux voitures. Et vous voyez, là, il y a une voiture blanche qui est apparue. Mais à quel moment elle est apparue? Bah, en gros, elle est apparue entre là et là. Donc, qu'est-ce que je fais? Simplement, je viens zoomer. Hop, je relâche. Donc, elle est apparue entre là et là. Je viens rezoomer. Je relâche. Elle est apparue là. Mais je vais pouvoir zoomer pour trouver le moment. Et là, badaboum. C'est pas belle la vie. Donc j'ai pu trouver en. Même sans lancer une relecture. Hein. J'ai même pas lancé de relecture. J'ai juste déplacé dans l'image et il me crée des vignettes à la volée. Maintenant, j'aurais pu faire un truc un peu plus funky. Et c'est là où NX est une puissance remarquable. Je lui dis, montre-moi toutes les voitures qui sont passées dans cette zone. Le 3, enfin toutes les personnes qui sont le 3 entre 8h30 et 10h10. Et j'ai eu 10 personnes qui sont passées. Je clique. J'appuie sur play. Je mets avance rapide. C'est là qu'il faut faire waouh. Je lève les mains. Et là, ça fait le taf tout Non. seul. Ça va me passer uniquement les mouvements des personnes qui sont passées sur cette zone que j'ai définie. Et ça, quand on y a goûté, c'est impossible de faire autre chose derrière. Donc je suis désolé pour les personnes qui vont pouvoir voir cette vidéo ou cette presse. Ça va être très compliqué de vendre autre chose après ça. Typiquement, pareil, hein, moi je m'en moque. Hein. Si on me dit, bah non, moi Guillaume, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont passés sur la plaque d'égout le 26 entre 15h et 19h, il y a eu 14 personnes. Et là, je balance ma relecture. Et je vais pouvoir voir les 14 personnes qui sont passées par là. Et si vous me dites, non, non, mais Guillaume, je suis désolé, je me suis gouré, ce qui m'intéressait, en fait, moi, c'est les gens qui sont passés ici. Désolé. Là, vous faites ça, vous appuyez sur play, et vous aurez toutes les personnes qui sont passées dans cette zone. Et j'ai pas d'erreur, quoi. Et c'est stable. Et ça, c'est NX qui le fait, c'est-à-dire qu'avec n'importe quelle caméra, que ce soit une caméra intelligente ou pas, même une vieille caméra Axis ou une caméra Foscam ou je ne sais trop quoi, des vieux machins qu'on voit plus de nos jours, bah ça marchera parfaitement bien. Je suis en avance rapide. Voilà, 21h, 6h. Donc je sais pas si vous avez vu, je suis passé de 21h30 à 6h du mat, j'ai personne qui est passé dans la rue entre 21h et 6h du mat. Et je suis capable de retrouver, voilà, là je suis passé le lendemain. C'est juste hallucinant, la puissance du système, c'est très 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 fort. Voilà. Ce que je vous ai pas montré, c'est que depuis tout à l'heure, la relecture, elle marche sur l'ensemble de. Je vais plutôt me lancer là-dessus d'ailleurs, plutôt. Montre-moi les mouvements, je sais pas moi, sur. Typiquement, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle-ci qui est très parlante. Stock angle. Voilà, Guillaume, montre-moi les gens qui sont allés dans l'Aleca, le. Pas moi, le 20 octobre entre 13h et 17h. Premièrement, je suis capable de voir, donc j'ai eu 8 mouvements, donc je suis capable d'avoir les photos en plus des gens. Là, je les vois ici. Alors, vous voyez peut-être pas sur le partage d'écran, mais je le vois sans problème. Il y a une personne avec un carton. En plus, j'ai un petit trait rouge à chaque fois qu'il y a un mouvement, et j'ai juste à cliquer dessus, et je vais pouvoir voir l'ensemble des personnes qui sont passées, voilà, dans mon Aleca, quoi. Posez-vous une seule question, c'est qu'est-ce que mon client il veut aujourd'hui? Et dans 99% des cas, ce que votre client il voudra, c'est ça. Il voudra dire montre-moi chaque fois qu'il y a eu un mouvement dans l'Aleca, de telle heure à telle heure. C'est la seule chose qui l'intéresse. Le reste, il n'en a rien à cirer. Que ça s'appelle Genetech, Dawa, Ashika ou je sais pas quoi, ou UniView, ce qu'il veut, c'est qu'on lui dise. Quand est-ce qu'il y a eu du mouvement sur un moment précis de l'image? Et trouver l'information rapidement et simplement. Imaginons c'est ce gars-là, le mec que je recherchais. Bah, j'ai juste à venir ici. Donc, vous voyez, j'ai le trait rouge, hein, c'est le moment où le gars il a été vu. Et ici, voilà.
Donc allez, on va dire de 10h20, 10h21, 10h26. Je fais ça, clic droit, exporter. Alors, on va faire un export. Il va être un peu lourd, mais on va le faire en fond d'écran. Test vue par 11. Vous puissiez voir un truc qui est assez sympathique. Là, je vais envoyer un gros export. J'envoie 5 minutes, mais sur 11 caméras à la fois. Je vais le laisser travailler en fond après. Pendant ce temps-là, on va pouvoir faire autre chose. Et je vais vous montrer un peu la puissance du logiciel d'export. Vous allez voir la vitesse où ça va. Et ça va être hallucinant. Donc bien sûr, je peux continuer à faire ma vie hein, si je veux pendant qu'il fait ses exports. Je peux revenir en direct sans trop de difficultés. Hop, je peux vous montrer des choses sympas. Hop, non, on va le voir derrière. Je vais le laisser terminer quand même. Hop, voilà, export terminé. Je ferme mon logiciel. On est d'accord. Hop, terminé, il n'est plus là. J'ai un fichier ici qui s'appelle test vue par 11, qui est bien un fichier exe. C'est un exécutable, ça n'est pas un installable. Ça veut dire que j'ai juste à cliquer dessus. Donc vous pouvez même le laisser sur une clé USB ou je ne sais trop quoi. Et regardez ce que je vais avoir. Si ça, c'est pas une tuerie absolue. Ah, ça va pas vous parler, mais c'est pas grave. Ça, c'est mon logiciel de relecture. C'est, si je vous envoie le fichier, c'est ce que vous aurez. J'ai pas besoin d'installer un logiciel en amont. Je suis capable de faire de la relecture multicanaux en simultané sur l'ensemble de mes voix. Je suis capable d'avancer. Je suis capable d'aller voir ce qui se passe. Je suis capable de retrouver le gars que je voulais tout à l'heure. Et surtout, je suis capable de faire de la lecture intelligente. Ça vient, vous me dites, ben, est-ce qu'il y a eu du mouvement? Non, sur cette caméra, il n'y en a pas eu. Sur celle-là, il n'y en a pas eu. Sur celle-là, j'en ai eu sur le fond de l'image. Voilà, montre-moi chaque fois que tu as vu un mouvement. Par exemple, je vais dire, ben, montre-moi. Alors, ben, ça va être sur celle-ci. Hop. Par exemple, j'ai fait un export de 1 heure. Ben, montre-moi chaque fois qu'il y a eu un mouvement dans l'Aleca. Et je vais retrouver les séquences. Et là, je suis sur mon logiciel de relecture, hein. Je suis pas sur le logiciel lourd. Donc votre client, la gendarmerie, la police ou je ne sais trop quoi, ils auront accès au même logiciel que moi. Relecture synchronisée, multicanaux, possibilité de faire de la relecture intelligente dedans, et possibilité même à l'intérieur même, ici, de refaire un export de la caméra qui m'intéresse exclusivement. Voilà, ça c'est plutôt sympathique. Et c'est bien un exe, rien d'autre qu'un exe. Alors, je dois relancer mon logiciel client. Ok. Donc ça, c'était pour voir l'ergonomie. Dans les éléments qui sont assez sympathiques, je vais juste aller chercher une caméra de plus. C'est ma caméra Lapi. Elle est où Lapi? Alors, vous pouvez chercher des mots-clés aussi. Voilà, Lapi. Hop. J'ai la possibilité de créer ce qu'on appelle aussi des boutons virtuels. Ça, c'est super intéressant, y compris pour faire des dialogues avec la domotique. C'est-à-dire que je peux intégrer des boutons sur mon image et avec un clic dessus, venir entraîner par exemple l'ouverture du portail, entraîner une préposition, entraîner une notification mobile, entraîner un son. Là, j'envoie Pikachu, enseigner amicalement votre, enseigner bonjour, bienvenue chez Iker. Ou même tout simplement, hop. On va mettre une petite chanson pour Nathalie, qu'elle nous entende. Normalement, elle va nous faire un petit coucou, à moins qu'elle soit au téléphone. Bonjour Nathalie, est-ce que tu nous entends ou pas? Si tu nous entends, tu peux faire un coucou, s'il te plaît? Tu peux rester assise. Bon, dommage. Voilà, impeccable. On va mettre un peu de musique. Voilà, on va remettre un Rabbi Jacob. Ah non, elle ne fait pas la chorégraphie. Donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'Anix, j'ai les éléments d'audio qui sont super propres et super clairs. Donc, si ma caméra a un haut-parleur, je peux parler directement. Si ma caméra a une sortie haut-parleur, j'ai juste à brancher un haut-parleur additionnel dessus. Je peux préenregistrer des messages sonores. Et si j'appuie dessus, ça envoie un message sonore prédéfini. Bien sûr, je vais pouvoir aussi envoyer des messages sonores prédéfinis sur des scénarios. Donc, on va pouvoir voir un peu les analyses. Typiquement, là, j'ai une caméra thermique qui fait de la détection d'intrusion sur la zone bleue que vous avez là.
qui fait du franchissement de ligne sur la ligne bleue que vous avez là, et qui fait de la détection de montée en température et de départ de feu sur la zone 1 qui est ici, et la zone 2 qui est là. Et donc, sur ma caméra, je suis capable de dire, voilà, s'il y a une intrusion, hop, voilà, si j'ai une intrusion sur telle caméra en dehors de mes horaires d'ouverture, ça envoie un message sonore qui dit site sécurisé par Icare. Tout simplement. C'est super propre. Et ça me permet de vous montrer deux choses à la fois, la gestion de l'audio et surtout le fait que moi, cette caméra thermique, je récupère bien les intelligences de cette caméra. Donc je suis capable de récupérer les intelligences de ma caméra et de dire attention, il se passe quelque chose de louche, un franchissement de ligne, je ne sais trop quoi. Donc typiquement ici maintenant je vais là, je tape intrusion. Et ici, je vais pouvoir avoir toutes les intrusions qui ont été détectées par ma caméra thermique. Vous voyez là, plutôt se mettre comme ça. C'est vraiment une tuerie NX à utiliser. Vous voyez là, j'ai quelqu'un dans la zone. Il va me déclencher. Ça y est, il est resté plus de X secondes dans la zone. J'avais défini dans ma caméra thermique, c'était 5 secondes. S'il reste 5 secondes dans la zone, ça déclenche une détection. Si je veux faire de la détection de franchissement en ligne, je vais taper ça. Vous voyez là, on va voir quelqu'un, hop, qui a franchi ma ligne de franchissement. Ça m'a détecté, ça m'a déclenché une alerte. Là, j'ai quelqu'un qui est là. Paf, il est passé par ici. Ça me déclenche une alerte. Donc, je suis capable de retrouver très facilement mes éléments de réponse. Maintenant, pareil sur la détection de montée en température. Si je veux voir les détections de montée, hop, pardon, thermale. Voilà, vous voyez que là, ici, j'ai une montée en température. J'ai un point chaud ici, à 121 degrés. J'ai un point chaud qui a été détecté. Ça m'a déclenché une alerte thermique, donc j'aurais pu envoyer un message sonore, etc. Et ça, je le gère de la même manière avec, par exemple, ma caméra. Ma caméra LAPI qui est ici, où chaque fois que j'ai hop LAPI, chaque fois que j'ai un véhicule qui passe, je vais vous montrer ce qui va se passer. C'est plutôt rapide, hein, vous avez vu à travailler. Donc là j'ai une plaque DX302HE, DX302HE qui a été reconnue. J'ai demandé à mon dôme autorisé automatiquement dès qu'il voit une plaque, dès qu'elle voit une plaque, mon dôme se positionne sur l'entrée pour voir ce qui se passe et voir le visage des personnes. Maintenant, DX302, si je tape DX302, je vais pouvoir voir chaque fois que cette bagnole, elle a été vue par mon système. J'appuie sur Play, DX302. Et j'ai un système en fait qui va me permettre d'avoir automatiquement, je peux lui dire, bah, montre-moi chaque fois que tu as vu cette plaque, je sais pas moi. Hop, sur le mois d'octobre par exemple. Entre le 18 et le 30 octobre, cette plaque a été vue deux fois. Et je peux retrouver les deux fois où cette plaque a été vue, c'était là. Les deux fois, c'était le 26. Le 26 à 9h et le 26 à 15h. Voilà, et ça, c'est de l'intelligence caméra. Après, je vais avoir un autre niveau d'intelligence. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. C'est avec des boîtiers, enfin avec des systèmes tiers ou des systèmes intégrés. Là, on va passer sur un autre onglet que vous allez voir qui est assez séduisant, on va dire. Là, par exemple, donc c'est la même caméra thermique, sauf que cette fois-ci, cette caméra thermique, je vais la faire passer dans un algorithme qui va être capable de classifier les objets. Donc là, il me dit qu'il voit une voiture, une voiture, une voiture, une voiture. Donc maintenant, je vais pouvoir lui dire, hein, montre-moi chaque fois que tu as vu un vélo, plutôt. Bike. Et chaque fois qu'il a vu un vélo, vous voyez, là, il y a un vélo qui est ici. Donc il m'a dit, Guillaume, j'ai trouvé un vélo, il est là, ton vélo. Bike. Bah, c'est une trottinette, mais vous savez que ça ressemble quand même grandement à un vélo. Maintenant, je peux lui dire, bah, montre-moi chaque fois que tu as vu un vélo passer dans cette zone de l'image. Et donc là, je vais pouvoir voir à chaque fois, pouvoir aller voir ce que ça donne. J'ai des erreurs à cause des ondes, normal. Donc vous voyez là, hop, là il y a un vélo qui est passé dans la zone.
Et je relâche ma souris, pareil. Je ne sais pas pourquoi il avait détecté un vélo, c'est l'enjoliveur de la voiture. Hop, là, il a vu un autre vélo passer. Et chaque fois qu'il voit un vélo passer, il va me le dire. Et ça, c'est trop bien, parce que vous pouvez faire des alertes aussi. Vous pouvez dire, s'il y a un vélo qui passe dans cette zone de telle heure à telle heure, j'envoie tel message sonore. Et ça, c'est pas de l'analyse faite par NX. Pareil, maintenant, si je viens, par exemple, je reviens en live, vous allez voir. J'en ai une de caméra qui va être rigolote à faire travailler. C'est celle-ci. J'ai elle, j'ai elle, j'ai elle. Par exemple, montre-moi des trucks, donc des camions. Hop, j'en ai une si tu veux. Ça commence à partir de ce matin, par exemple. Voilà. Là, donc vous allez voir, qui va me montrer tous les camions qui passent. Camion, ouais, camion, bus. Donc là, genre, ça passe un peu trop vite, peut-être. Donc là, il y avait un camion qui était passé. Là, j'ai un autre camion. Et donc, vous allez pouvoir dire, bah, montre-moi à chaque fois qu'il y a un camion qui passe. Ou alors une personne. Ou, pareil, des bikes. Je ne sais pas s'il y aura des vélos ici ou pas. Non, j'ai pas eu de vélo ici. Par contre, j'ai des personnes, je pense, sur cette. Montre-moi à chaque fois que tu as vu des personnes passer. Sur telle caméra, il va pouvoir détecter toutes les personnes qui sont passées par là. Vous voyez, il classifie, il me dit bien, c'est une personne qui a été détectée. Et je vais pouvoir voir, voilà. Même là, voilà, la mamie, c'est bien une personne qui est passée. Et ça commence à être intéressant. Voilà, j'ai ça aussi, bien sûr, sur les bureaux, par exemple, en haut. Voilà. Là, il a bien détecté qu'il y a une personne qui se balade dans nos bureaux à l'étage. Et je vais avoir par exemple la même chose aussi. Si je lui demande, par exemple, montre-moi des hommes. Donc là, hop. Voilà. Donc là, vous voyez, mon système, il est capable de me dire si c'est un homme ou pas, homme ou femme, son âge estimé. Et est-ce qu'il porte un masque? Et pareil, mon système, hop, je vais dire, montre-moi tous les hommes qui sont passés dans la zone. Donc là, il en a vu un autre, deuxième, voilà, troisième, etc. On va pouvoir retrouver les visages des différentes personnes. Et donc, ce que je voulais voir, ça va peut-être me le faire avec Loïc s'il tourne. Ah non, perdu. Donc, vous voyez, homme, 24 ans, pas de masque, etc. On va passer en avance rapide. Sinon, je vais mettre un autre jour. Bon, on va pouvoir aussi chercher, par exemple, si on. Alors ça, aujourd'hui en France, c'est pas complètement conforme. Mais je peux chercher Guillaume Decoux, par exemple, et il va me montrer chaque fois qu'il a vu Guillaume Decoux. Voilà. Guillaume Decoux qui est là, Guillaume Decoux qui est là, etc. Guillaume Decoux, hop, qui vient de passer là, etc. Donc ça, c'est intéressant. Vous n'êtes pas obligé de le rendre nominatif. Vous pouvez très bien dire. Au lieu de dire c'est Guillaume Decoux, vous dites c'est le voleur du 3 novembre. Ou c'est le voleur des bouteilles de Jack Daniel, j'en sais rien. Vous l'appelez voleur Jack. Et chaque fois qu'il va se pointer, vous pourrez créer une alerte. Soit vous pourrez dire, montre-moi à chaque fois que voleur Jack il est venu. Soit vous pourrez créer un système d'alerte où vous direz, si voleur Jack est détecté, j'entraîne, je sais pas, un bip au niveau du PC de sécurité du magasin, par exemple. Donc ça, c'est des algos. Alors, les algos fonctionnent plus ou moins bien. Celui-ci est plutôt pas mal, sincèrement. C'est une box d'analyse qu'on vient installer à part. Donc, il y a des vidéos sur YouTube pour ça, pour expliquer un petit peu le fonctionnement. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que c'est intégré dans NX d'une manière diabolique. Ça veut dire que si je vous avais dit c'est NX qui fait de la détection de piétons, de vélos, de machins, de personnes, de rocofacial, vous m'avez dit, ah ouais, c'est bien. Sauf que c'est pas NX. Mais les intégrations qui sont faites, c'est ce qu'on retrouve sur le marketplace, sont faites vraiment proprement. On a vraiment l'impression que c'est NX qui fait ce travail-là. Donc je peux lui dire, voilà, montre-moi chaque fois que tu as vu Guillaume Decoux entre le 17 et le 22. Ben, il l'a vu 15 fois. Il a vu 15 fois Guillaume Decoux entre le 17 et le 22 octobre. Et je suis capable de retrouver toutes les fois où Guillaume Decoux a été vu. Voilà. Ça, c'était la partie analytique. Sur la partie légèreté, j'ai des éléments pour vous à voir. Déjà, j'ai ça.
Donc là, je suis sur un Raspberry Pi 4. Donc ça me permet de voir la courbe d'utilisation de mon processeur et de ma RAM. Donc on voit que mon Raspberry, j'utilise rien du tout pour gérer trois caméras. Donc peut-être que si un jour vous avez des projets pour gérer 4-5 caméras, ça peut être adressé sur du Raspberry. Le problème des Raspberry, c'est le stockage après, qui est un peu compliqué. Parce que sur la micro SD, c'est compliqué d'avoir une grosse micro SD, c'est pas fait pour écrire 24-24. Par contre, moi, ce que je peux vous montrer qui est assez rigolo, typiquement, on va plutôt aller prendre celle-ci. Celle-là de caméra. Vous voyez, cette caméra, elle est gérée par mon serveur de Dinan. Et je dis, ben non, en fait, je suis con. Je veux pas qu'elle soit gérée par ce serveur-là, je veux qu'elle soit gérée par ce serveur-là. Donc là, j'ai un Raspberry en Debian. Là, j'ai un i3 en Linux, Ubuntu. Et là, j'ai un i7 en Windows. Je dis, ben non, moi, je veux l'envoyer là-dessus. Donc je la prends, je la balance. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, allez, 6. J'ai perdu le live pendant une seconde, je voyais plus ma caméra, mais maintenant elle est bien gérée par la Creuse, et j'ai perdu 6 secondes d'enregistrement. C'est le temps que mon point rouge y remonte. Donc ça, c'est vous puissiez voir à quel point c'est rapide, et si vous me dites, bah non, moi Guillaume, ce que je veux, c'est balancer tout ça, bah, je les prends et boum, je les balance. C'est plutôt, plutôt réactif. Donc pareil, bah, je la reprends, je la rebalance ici, et bien sûr, je vais la reperdre pendant une ou deux secondes, et elle va revenir. Donc voilà, j'ai récupéré ma caméra. Donc ça va très vite. Maintenant, je vous en ai parlé tout à l'heure. Mon mari Blacher. Mon mari Blacher, voilà, je lui mets ça. Et je lui dis, ben, le disque dur principal, il est en enregistrement. Et le disque dur secondaire, il est en sauvegarde. Ça, c'est le disque qui est au niveau du siège de Marie Blacher. J'ai juste à faire ça. Je mets l'adresse IP de mon serveur Samba, l'identifiant, le mot de passe. Je dis que ce disque-là, ce n'est pas un disque principal, mais un disque de sauvegarde. Je vais dans paramètres sauvegarde. Je définis en temps réel. Et je sélectionne les caméras les plus importantes pour mon client Marie Blacher. Donc les caisses et l'entrée, par exemple. Et je vais ajouter celle-là. Donc voilà, j'ai 12 caméras. OK. Donc maintenant, toutes mes caméras de mon Raspberry vont être stockées sur ma première partition. Et sur ma deuxième partition, qui est une partition distante, sécurisée, ne seront stockées que les 12 caméras que j'ai cochées. Et ça se paramètre en 3 clics. Allez, 4 clics. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Dans le genre sympathique, j'ai ça. Le basculement. Ça, c'est le failover. C'est gratuit, à nouveau, pareil. Pour l'activer, 3 clics. Premier clic, j'active. Deuxième clic, je dis combien de caméras ce serveur a le droit de gérer. Allez, 62. Troisième, je peux prioriser, c'est optionnel, les caméras. Je vais pouvoir dire quelles sont les caméras les plus importantes. Donc qu'est-ce qui va se passer si j'ai le serveur de la Creuse qui est HS? En moins d'une minute, ça va très vite, il va me basculer. En premier, les caméras les plus importantes haute, importance moyenne, importance basse, jusqu'à ce que mon serveur ici soit à bloc. Quand je suis à 62 caméras, les caméras restantes, ben, elles seront perdues, elles ne seront pas enregistrées, elles ne seront pas sécurisées. Pourquoi? C'est pour éviter de mettre à genoux mon serveur. Parce que si je lui envoie 100 caméras alors qu'il peut en gérer que 62, ben, il va commencer à ramer, etc. Donc vous faites juste ça. Vous activez, vous mettez le nombre total de caméras et vous priorisez. Et vous appuyez sur appliquer. C'est tout. Et là, j'ai activé mon basculement automatique en moins d'une minute. J'ai vu ce que je souhaitais voir, donc dans les grandes lignes. Donc si vous avez des questions, je suis ouvert aux questions.